Moment inédit ce matin, Joanie doit se vider la tête et l'esprit en parlant. Allez, Didi! Ça n'a pas rapport, Ça n'a pas rapport! Parce que gang! Gang! Là, ça fait une couple de Didi, là, jours que je ne vous ai pas filmé. Qu'elle a pas filmé. Il nous est arrivé vraiment beaucoup d'affaires. Ouais, genre, moi, je me suis manqué enlever un doigt. Puis la belle-mère, elle mange elle mange un céréale comme un tabarnak, comme une grosse envie de vomi. J'ai mal aux dents, je te dis. Bon. Non, mais... Bon matin, gang. On est lundi, le 20 novembre, la veille de notre voyage. Hey, puis dans le fond, j'ai pas filmé dans les derniers jours. Puis, parfois, j'avais filmé il y a quelques jours. J'ai filmé jeudi pour faire le concours. Puis, j'avais l'intention de publier jeudi au maximum, vendredi, pour vous laisser le temps de m'écrire vos coordonnées puis que je vous envoie les items du concours que vous avez gagné. Mais, il nous est arrivé plusieurs affaires. Puis, le vlog n'est pas encore en ligne. Puis, on est lundi. Je vais le mettre en ligne aujourd'hui. Fait que, dans le fond, je ne serai pas capable de vous envoyer vos choses avant de partir en voyage. Fait que, vous allez les avoir quand on va revenir. À la mi-décembre. Je suis vraiment désolée, gang, mais c'est des circonstances hors de mon pouvoir. Puis hier soir, j'ai travaillé toute la fin de semaine en plus juste pour mal faire. J'ai même pas travaillé la fin de semaine passée. Puis là, en fin de semaine, j'avais plein d'affaires à faire pour mon voyage. Est-ce que je peux mettre mon affaire là, de mon affaire, sac au spray là-dedans? C'est une garantie à vie? Oui. C'est ça, on avait full d'affaires à faire. L'itinéraire n'est même pas fait. Les bagages sont pas faits. Je voulais vous filmer une vidéo sur nos bagages. Je vais le faire aujourd'hui. Mais là, hier, il s'est coupé en coupant des croutons pour le tartare, tu sais, notre traditionnel tartare. J'arrivais de travailler, on était dimanche soir, on s'en allait écouter les émissions avec ma mère. Puis il s'est coupé, mais comme vraiment, là, son bout de doigt pendait. Fait qu'on a douté qu'il avait besoin de points de suture, puis tu sais, on s'en va en voyage demain. Fait qu'on est allé à l'hôpital, puis il y avait 9 heures d'attente. On s'est couché à 4 heures du matin. Fait que là, il est midi, on vient de se lever. On a une méga grosse liste aujourd'hui. Genre, faut que j'aille chercher mon char au garage. Faut que je sors les pelles, mon balai à neige. Faut que je transplante une plante parce qu'elle est morte, elle est en train de mourir. Faut que j'achète de la crème solaire, faut que je fasse l'itinéraire. Faut qu'on fasse notre pack sac, faut que je filme le vidéo du pack sac puis que je vous le mette en ligne avant de partir. Faut que je me coupe les ongles d'orteil et de doigts. C'est con, mais ça prend du temps. Faut que je sorte les décos de Noël. Faut que j'aille acheter un bâton pour ma GoPro parce que j'en ai acheté un sur Amazon il y a un mois et demi puis je l'ai pas encore reçu. Fait que je suis obligée d'aller en acheter un au magasin. Je suis tellement déçue de ça, là. Mais tellement, vous pouvez pas vous imaginer. C'est ça qu'il fallait, t'sais? Ouais. Gars, il n'y a pas grosse la différence. Moi, c'était 42,99. Gars, un double. Un cool. Gars, moi, j'ai pensé à toi. T'as pas pensé à moi, t'as pris un 5. Non, je te l'avais dit que je prenais un 5, qu'on s'en prenait chacun un 5, pourquoi qu'on avait juste des lits simples. Ben oui, qu'on soit dans la merde avec un filet double. Puis si on a un lit double, on faisait quoi? On dort plus. Ben on avait chacun un 5, c'est ça. Mais si on avait chacun un lit simple, il y en a un qui aurait pas eu de filet, fait que c'est pas que j'ai pas pensé à toi. Oui, t'as pas pensé à moi. Faut que j'aille acheter des gravoles pour le voyage. T'as mis des Tylenol. Faut que j'aille trouver ma trousse de premier soin qui, je pense, est dans mon char. Faut qu'on achète du polysporin, puis faut appeler Roger, les assurances, puis c'est ça. Puis j'ai mon cours de danse ce soir à 8h, j'ai pas pratiqué, fait que faut que je pratique. Fait que c'est ça, puis déjà midi et quart, puis on a pas des jeunes encore. Fait que c'est ça la journée de de fou. J'en reviens pas, c'est comme encore une journée de fou. Puis faut vraiment que j'arrive à 8h en même temps que tout le monde, là. Faut que j'aille à mon cours de danse. Fait que c'est ça. Je vous souhaite bonne journée. Puis dans le fond, c'était pas supposé être un vlog, mais là, ça va être un vlog qu'on va vous... Dans le fond, la prochaine fois, je vais vous parler, ça va être pour vous montrer nos packs sacs. Puis je vais essayer de mettre ça en ligne aujourd'hui, mais il faut que d'abord que je fasse le montage de l'autre vlog, puis que je mette en ligne. Bonne journée tout le monde! C'était désolation, gang. J'avais pas de place pour mettre mes décos de Noël dans ma maison quand j'ai déménagé, puis j'ai pas pensé, je les ai mis dans la remise dehors. Tout a gelé, tout est pourri. J'ai plus aucune déco de Noël, puis surtout, j'avais une collection de boules de Noël, puis ils ont cassé. Ils ont gelé. C'était vraiment précieux pour moi. Ça faisait depuis que j'en ai plein d'autres, là. Mais ça faisait depuis que j'étais toute petite que je collectionnais les boules de Noël. Puis il y en a que c'était ma tante Annette qui m'avait donné. Puis c'est tout pourri puis cassé. Mais tu sais, c'est la vie. Je vais m'en remettre. C'est juste que sur le coup, c'est triste, là. Mais c'est moi qui n'ai pas passé. Je les ai mis dehors. Ça, ce beau Père Noël-là, je l'ai depuis que je suis toute jeune, que mes parents m'avaient donné, puis il dansait, puis il chantait, mais là, il a gelé, puis tout.
Là, ma mère, elle essaye de rescaper. Qu'est-ce qu'on peut rescaper, mais tout est pourri. Fait que là, on va en avoir jusqu'à encore 5 heures à soir. Il est déjà 2h30, puis je suis pas allée au magasin encore. Je peux aller chercher ma voiture. Faut que j'aille chercher ma voiture au garage. Fait que là, on va aller commencer à faire notre sac pendant que ma regarde qu'est-ce qui est possible de récupérer. Il est attitué, on va. Voilà. Voilà de quoi ça a l'air quand on prépare nos bagages. Qu'est-ce qu'on amène dans notre pack-sac. Là, ça se peut qu'on dépasse, ça se peut qu'on ait l'air vraiment brûlé. Il est 2h du matin, on part demain matin. Nos bagages n'étaient pas terminés. Ah! Allô? On vient de les terminer. Puis l'itinéraire n'est pas fait, fait que je vais passer la nuit là-dessus. Puis j'ai deux vidéos à mettre en ligne avant de partir, dont celui-là qu'on vous filme là, puis l'autre que j'ai tiré les gagnants du concours, puis j'ai pas pu mettre en ligne encore avec tout ce qui est arrivé, l'hôpital, puis tout. Fait que, c'est ça, je vais commencer en vous montrant qu'est-ce que j'amène dans mon sac d'avion. Fait que c'était un sac Osprey, qui dans le fond, se plie en petit, genre de même, là. C'est comme une petite toile mince. Fait que j'ai mis un tag dessus, un petit tag orange. Fait que, qu'est-ce que j'ai dans mon sac d'avion? C'est un petit cadenas, premièrement, pour barrer, on va vous montrer tantôt. On a une liste, là. Fait que j'ai mes écouteurs. Une liste pour être sûr. Non, faut la checker là pour être sûr qu'on a tout là, pas après. Là. Fait que j'ai amené un coussin d'avion. Moi aussi, je l'ai. Mon portefeuille, puis dans le fond, là-dedans, ça c'est mon portefeuille, j'amène tout le temps en voyage. Puis j'en ai trois autres, dans le fond, qui sont cachés un peu partout dans mon sac. Fait que j'ai amené de l'argent thaïlandais, j'ai amené de l'argent canadien pour l'aéroport, j'ai amené ma carte débit. Mon permis de conduire, ma carte d'assurance sociale, ma carte d'assurance maladie, même si on n'aura pas vraiment besoin là-bas. J'ai amené ma carte Visa, ma carte d'assurance des jardins, assurance voyage dans le fond pour les soins médicaux que j'ai avec mon assurance collective de la job. J'ai amené comme un truc que des jardins m'ont envoyé. C'est avec eux que j'ai pris mon assurance bagage puis annulation. Fait que dans le fond là-dessus, j'ai écrit mon numéro de contrat et tout ça. J'ai amené une photocopie de ma carte Visa, de mon passeport, de mon permis de conduire. J'ai amené mon assurance voyage comme les détails imprimés. Puis j'ai amené une photocopie de mon passeport. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il y a dans mon portefeuille principal. J'ai amené mes écouteurs, je pense que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai amené des lunettes soleil. J'ai amené nos billets d'avion. J'ai amené un livre de lecture. J'ai amené un paquet de gomme, des vomi bags. J'ai mal au cœur en avion, puis je suis malade car c'est long de même, ça vole de 24 heures. Fait que j'ai amené aussi des gravoles. Est-ce que les gravoles, je vais pouvoir en prendre moi aussi là-dedans? Puis là. Un autre vomi bag. Mon amour. Il manque les pilules pour ma tête. Ouais, on va les rajouter. Mais on devrait les rajouter là avant de les oublier. On est brûlés. Ben, va en chercher son dans la salle de bain. Dans mon armoire de même, son sa table du haut. Une doudou pour l'avion.
des lingettes pour laver le visage parce que 24 heures de vol, c'est sûr que j'ai avoir besoin de me laver le visage. J'en ai une brosse à dents avec un petit tube de pâte à dents. Parce que c'est ça, je vais vouloir me laver les dents. Mon passeport. Un cache-yeux avec des bouchons. Un petit jeu de cartes. C'est des petites cartes, tout petites, tout petites. Tu veux peut-être approcher un peu, mais pour qu'il voit comme faut, c'est correct. Des petites cartes, tout petites, tout petites. Attends-moi, B, je vais aller chez Pilule. Attends-moi, B, je vais regarder qu'est-ce que t'as dans ton sac. Je mets ça où, là? Mais mets le gros pot là, fait qu'on va y penser, on va le mettre dans un petit tantôt. J'en ai un lipsil, un crayon. Un lipsil, crayon. Ma GoPro. GoPro. Un sifflet. Un sifflet de viol. S'il nous arrive de quoi, genre. Un autre lipsil, je n'ai pas besoin de lui. Ma charge de sel, parce que j'amène mon sel pour la musique et pour tout ça. Puis un Purel. Parfait, si t'as pas fait ça, vous voulez. C'est dur à remettre, là, quand t'as fait de cette position. Hein? J'ai-tu mis ma charge? Ta charge de quoi? De tablette. Ah, c'est vrai que l'on peut pas. Ouais. Okay. Regardez-moi mon sac, mon petit sac. Il va avec mon spray. Avec mon sac Header. Header, bugger. Header, bugger. Et mon cellulaire va aller dans le fond, dans la petite pochette ici. Une petite pochette en haut, là. Mon cellulaire va aller là. Bon, ça c'est réglé pour ça. J'amène un genre de petit livre, guide de voyage. Là-dedans, j'ai écrit tous nos numéros de contrat d'assurance, les numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence, les assurances, puis tout ça. J'ai écrit combien j'avais d'argent. Puis je vais ici aussi écrire l'itinéraire. Et ça, c'est un petit livre que j'amène avec un crayon. Bon. Puis dans le fond, là, j'ai préparé mon linge pour demain. C'est tout le temps ça que je mets dans l'avion. Dans l'avion, je mets genre un one piece, là, camisole, mais à culotte longue. Puis pour partir d'ici, ça va être avec ça par-dessus. C'est pas un coton ouaté, puis c'est pas chaud. Mais tu sais, on va juste sortir de l'auto puis rentrer dans l'aéroport. J'amène un petit bracelet. Puis un top. J'amène un top de sport puis une brassière. Dans le fond, je sais pas quel que je vais mettre demain matin. Là. Puis là, j'avais un petit cadenas, tout ça. Ouais, j'ai un petit cadenas parce que ça, c'est comme un gros sac dans lequel je mets mon pack-sac pour la suite à bagages. Puis je vais le barrer avec un petit cadenas. La clé est supposée être dans mon portefeuille. Je vais vérifier pour être sûre. Puis je m'amène une montre dans le fond en voyage pour avoir l'heure tout le temps là-bas. On a besoin, c'est pour prendre l'autobus, les avions à l'interne, tout ça. Fait que c'est comme vraiment belle, là. Mais attends, as-tu des petits chiffres dessus? Oui. Parce qu'on voit presque rien. Ouais, je sais, ouais. Mais tu sais, c'est pas grave, ça va être notre deuxième montre, ouais. Bon. Wow. Fait que mon pack-sac maintenant, il est vraiment très. Tu le filmes-tu? Ben. Hey, adore de bout! Quoi? Adore de bout! T'as mes yeux fermés, galique! Elle filme même pas mon pack-sac, elle filme, je sais pas. Non, quoi. Mais si je baisse. Bon. T'es plus dedans. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le montrer là. Ah, okay. Fait que ça, c'est mon pack-sac. J'ai mis Google là parce qu'il rentre pas nulle part d'autre. Fait que je vais commencer par le bas. En bas, j'ai mon rain cover qui venait avec. Il est-tu gros ton rain cover? Ouais. Arrête de poser des questions qu'à l'avance. On va que sa mère tombe. Il est bien gros, Paulis. Bon, après ça, ici j'ai des gougounes. Une autre paire de gougounes parce que j'ai peur que les autres brillent. J'ai un genre de sac dans lequel je vais mettre mon linge sale. J'ai le... Mosquito. Ouais, mais c'est comme une toile là, contre les moustiques qu'on accroche après le lit, dans le fond, qu'on met chaque côté pour se protéger quand on dort. Puis j'ai emmené 1, 2, 3, 4 débarbouillettes. Hein? T'as même des débarbouillettes? Ouais, j'en avais juste 3 finalement. J'ai-tu besoin de ça, de barbouillette? Ben oui. Non, mais on va se partager les 3 à 2. Ben c'est parce que si j'ai suivi mon pénis avec eux. Non, mais elle, je veux plus l'emmener. Préfères-tu elle? Veux-tu que j'en amène 2 puis toi 2?
que je m'emmène des débrouillards, puis finalement tu te retrouves avec deux, puis moi deux. J'ai le droit d'oublier des affaires. Non, mais il me reste deux débarbouillettes. Puis les genres de prises. Regardez mon sac, regardez mon sac. Les genres de prises. Hey, la belle-mère, mon sac. Pourquoi qu'elle filme pas mon sac? Parce qu'on n'est pas rendu à toi. Ah oui, mais Chris, bon, moi je montre pas. Les genres de prises universelles là, de Air Canada. Là, tu défrauds pas ton sac. Je le défrauds pas au complet, je vais le dire en gros. Là. Bon. On va y aller par sur le... Ah, ici, on va y aller par sur le côté. Ici, j'ai genre un manteau gris en toile. Là. Bon, là, je vais l'ouvrir par ici, par ce côté. Je vais vous le dire en gros parce que là, on vient juste de tout réussir à tout rentrer dedans. Bon, fait que j'ai... Un maillot de bain, j'en avais trois au départ, j'ai diminué. J'ai à peu près 4-5 camisoles. Une camisole de sport parce qu'on va s'entraîner là-bas. Une paire de culottes longues, leggings. Deux genres de gilets à manches courtes. Une robe. Une casquette, bien sûr. Là-dedans, c'est toutes mes affaires de GoPro. Donc, ma charge de GoPro, tout ça. J'ai pas réussi à rentrer un... Marc, qu'est-ce que tu filmes? À filmer un plancher. Ah oui, elle veut même pas filmer mon sac. Non, je suis en train de filmer ton sac. Hein? J'ai même pas réussi à rentrer un drap, gang, finalement, que je vais être obligée de dormir dans leur drap dégueu. On m'amène une genre de petite bouteille de plastique, là. C'est inutile, mais je vais autour m'acheter ça. Un deuxième livre de lecture au cas où que je vends mon... Ah, je sais pas, il y a de quoi qu'il y a le... clignote. Il va manquer de batterie. Bon, ça, c'est toute ma trousse de cosmétiques. Je vais vous dire en gros ce que j'ai amené. Hop, j'en ai un aussi. Non! Défais pas tout ça. Non, non. En gros, là, ce que j'en ai. Fait que j'en ai du papier de toilette, des élastiques, de la pâte à dents, du lipsil, des kéotypes, de la soie dentaire, de la poudre de bébé, du nettoyant pour le visage, ma crème pour le visage, du gel douche, mon chose pour dormir la nuit pour mes dents, du savon à linge, du savon à main, du polygrip pour ma maudite dent qui va peut-être tomber, ma fausse dent en attendant ma couronne, là. Pour ceux qui savent, j'ai eu un accident à ma dent. De la crème solaire pour le visage, de l'après-soleil, un déo qui sent pas trop fort, du Purel, une prescription de pilules si on a la diarrhée, une autre pâte à dents, mon truc pour le nez quand j'ai le nez bouché, là. C'est pas mal ça en gros. Fuck, y'a de quoi qui coule? Non. Qu'est-ce qui coule? Hop, j'en ai du shampoing et du revitalisant, bien sûr. Et voilà pour ça. Faut que je suis plus capable de le fermer, maman. Ok, c'est au tour à Tom. Yo, man! Yo, yo! Elle veut pas me filmer. Ok, c'est au tour à Tom, maman. Ben là, mais parce que j'ai déjà mal au bout. Non, mon mais. Don, mon dos, ça fait mon corps. Ouais. Montre. Ok, j'ai peur que ça ne filmait pas tout ce temps-là. Moi, ouais. La batterie, t'avais de lâcher le bégo. Non, mais c'est ça, mais moi, dans le fond, c'est toute la même chose que Joanie, sauf d'un plus gros sac. C'est tout. Mais là, B. Quoi? Aïe, aïe. J'ai pas besoin de lui dire tout ce que j'ai dedans, là. C'est pareil comme toi. Bon, fait voilà, gang. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on s'en va faire l'itinéraire. Il est genre 2h30, 3h du matin. Ah, on vous a-tu dit que je m'étais coupé le doigt hier? Il est 3h du matin. Hein? Fait qu'on s'en va faire l'itinéraire, mettre ça en ligne, puis on part demain matin. Fait qu'on se voit dans 3 semaines et demie, gang. Bye! Bye!